Welcome, everybody. I think a few more people are filing in. We're delighted to see all of you here this evening. My name is Carter Sneed. I'm the director of the Center for Ethics and Culture. I'm also a law professor here at the University of Notre Dame, and we're so thrilled for such a wonderful turnout this evening. Thank you for joining us. Before we get started, I'd like to thank the McGrath Institute for Church Life here at the University of Notre Dame, especially Lenny DiLorenzo, Valerie McCants, and John Cavadini for their support in co-sponsoring this evening's event with the Center for Ethics and Culture. It gives us great joy to partner with our neighbors and friends at one floor below us in Geddes Hall. Thank you all for all that you all do for Our Lady's University and the Universal Church. Special thanks also due to Eileen Mallon, who is principally responsible for organizing Father Philippe's travel and schedule while in South Bend. It's a wonderful gift to us, Eileen's work as well. For those of you who are joining us for the first time at a Center for Ethics and Culture event, you might be a little unfamiliar with what we do. In a nutshell, we're devoted to sharing, exploring, and engaging with the richness of the Catholic moral and intellectual tradition, both here at Notre Dame and as Notre Dame, in the public square. And we do this through a robust student formation program, namely through our Soren Fellows program, through projecting Notre Dame's voice into the public square, as well as engaging matters of culture of life on campus. We pursue academic programming and publishing. We just concluded our fall conference. 1,000 people came to campus to hear over 100 speakers inspired by the life and work of Alexander Solzhenitsyn, whose works we're now releasing in our book series for the first time in English. And finally, and certainly not least, we contribute to the flourishing of the University of Notre Dame through our efforts to attract and support and fund the hiring of outstanding faculty who will contribute to the mission of the university. Tonight's presentation by Father Philippe, who will be introduced shortly by one of our Soren Fellows, Anya Renkis, strikes at the core of our center's mission, which is to recognize that authentic human freedom is promised through our individual and communal growth in virtue and by cultivation of the interior dialogue between God and the human heart. We are honored and delighted by your presence with us tonight. Father, we extend our gratitude to you and to the community of Beatitudes for sharing this time with us this evening. There are two quick logistical notes before we begin. First, Father Philippe will speak in French, and our wonderful translator Simone Romanos will join him on stage. Please hold your questions until the end of Father's remarks. Just raise your hand, and if you have a question, a student will bring a microphone to you. Secondly, various works of Father Philippe are on sale immediately outside of the auditorium, thanks to the Notre Dame Bookstore and Scepter Publishers. Books will be available for purchase following the lecture. Father Philippe has graciously offered to sign books as well. At this time, I'll turn it over to Anya, who will introduce Father Philippe. Thank you, Professor Sneed. Father Philippe, on behalf of the students of the Soren Fellows Program here at the Center for Ethics and Culture, many of whom have joined me here tonight, we are just so honored and delighted to be with you here this evening to share in conversation about the interior freedom promised through the growth in our virtue. Thank you. A native of France, Father Philippe encountered the Community of Beatitudes in 1976, which was itself founded in 1973 and is an ecclesial family of consecrated life. The community gathers faithful from all states of life, married or unmarried laypeople, seminarians, priests, permanent deacons, and men and women consecrated in celibacy, who wish to conform as closely as possible to the model of the early Christian community through the common life, the sharing of goods, voluntary poverty, and an intense sacramental and liturgical life. After studying mathematics in the college and years of teaching and scientific research, Father Philippe spent several years in Nazareth and Jerusalem, immersing himself in the study of the Hebrew and Jewish roots of Christianity. In 1981, Father Philippe traveled to Rome to study theology and canon law. He was ordained a priest in 1985 and began his work as a spiritual director, working in the formation of priests and seminarians of the Community of Beatitudes. In 1994, Father Philippe returned to France, where he assumed various responsibilities, including the development of training in the community and participation in its general council. He has also preached retreats regularly in France and abroad, and has consolidated his principal retreat themes into several books on spirituality. With over 1 million copies sold in 24 languages,
Father Philippe's writings on themes such as prayer, interior freedom, and peace of heart have become classics of modern Catholic spirituality. It was to my delight when I found out Father Philippe would be joining us here at Notre Dame, because I myself encountered his work this past summer while on pilgrimage in Italy on the Way of St. Francis. In fact, the topic of his reflection today, Interior Freedom, was the book my uncle, Father John Kelly, a Catholic priest and vocations director of St. John Vianney Seminary at St. Thomas University, had us read and pray with on our journey. I am sure I am not the only one, young or old, who has benefited greatly from your wisdom and insight, Father. And here at the University of Notre Dame and at the Center for Ethics and Culture, I find Father Philippe's reflection on faith and reason and interior freedom particularly compelling. He says, like all the faculties God has endowed us with, intelligence is profoundly good and useful. Man has a thirst for truth, a need to understand that is part of human dignity and greatness. To despise intelligence, its capacities, its role in human and spiritual life would be unjust. Faith cannot do without reason, and nothing is more beautiful than the possibility given man of cooperating in the work of God by freedom, understanding, and all our other faculties. But this craving to understand everything includes certain ambiguities and needs to be purified. The thirst to know the truth in order to welcome it and conform our lives to it is completely in order. But there also is a desire to understand that is a desire for power, taking over, grasping, mastering the situation. Full inner freedom comes from progressively freeing ourselves from the need for human security through the realization that God alone is our rock, as Scripture says. As a student on the eve of final exams for this fall semester, I find this particularly resonant. And a reflection on interior freedom, though enduring, comes at no better time for the students and perhaps faculty anticipating and experiencing the demands of the end of our academic term. Friends, please join me in welcoming Father Jacques Philippe. Good evening. Thank you for your presence. Là, je vais continuer en français. Now I will continue in French. Je propose qu'avant de parler, on puisse se confier à la Vierge Marie. I suggest that before we could speak, that we entrust ourselves to the Virgin Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Alors, nous allons parler sur le thème de la liberté ce soir. We will speak this evening on the theme of freedom, liberty. Alors, c'est un thème qui est très vaste. It's a theme that is very large et and qui n'est pas très facile. Which is not very easy. Bon, puis on n'a pas beaucoup de temps. And we don't have a lot of time. Mais je peux vous proposer certaines réflexions. But I could suggest to you certain reflections. Et j'espère qu'elles pourront être utiles. And I hope that they will be useful to you this evening. Oui, dans la personne humaine, il y a un grand désir de liberté. In each human person, there is a great desire for freedom. Ça, c'est très clair. This is very clear. Et puis aussi, quand on regarde la parole de Dieu. And also when we look at the word of God. Oui, elle se présente comme un message de liberté. It presents itself to us as a message of freedom. Oui, Dieu libère l'homme. God liberates man, frees him. Oui, Saint Paul nous dit que là. And Saint Paul tells us. Que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint Paul tells us that there where is the spirit of the Lord, there is freedom. Oui, donc l'homme désire la liberté d'un côté. So on one side, man desires freedom. De l'autre côté, Dieu veut nous rendre libres. And then on the other side, God wants to render us free. Donc tout va bien. So everything is well. Mais on sait qu'en pratique, les choses sont un peu plus complexes. But we know on the practical level, things are a lot more complex than that. Parce que l'idée que nous avons de la liberté. Because the idea that we have of freedom. N'est pas toujours cohérente avec la proposition de l'Évangile. Is not always coherent with the proposition of the Gospels. On en parlera un petit peu tout à l'heure. We will speak of this a little bit later. Et puis c'est vrai que, je dirais, l'athéisme du monde moderne. And it's true, I could say that the atheistic view of the modern world, oui, a souvent présenté Dieu comme étant l'ennemi de la liberté. Has often presented God as being the enemy of freedom. Ça, c'est le grand mensonge de l'athéisme. This is the great lie of atheism. Oui, Dieu opprime l'homme. God suppresses man. Il opprime l'homme.
Oui, avec ses lois, ses commandements. God suppresses man with all his rules, his commandments and requirements. Si on veut que l'homme soit libre, il faut se débarrasser de Dieu. And if man wants to be free, he has to really get rid of God. Bon, alors on sait que ce genre de pensée a fait des millions de morts. Ce genre de pensée a fait des millions de morts. We know that this kind of thought has made millions of deaths. Dans certaines tentatives justement de créer une société sans Dieu. In trying to make a society without God. Et nous, au contraire, nous chrétiens, nous avons cette audace d'affirmer. And we as Christians, we have this audacity to affirm. Oui, que Dieu n'est pas l'ennemi de la liberté humaine. That God is really not the enemy of the freedom of man. Mais au contraire. But on the contrary. Dieu est la source de notre liberté. God is actually the source of our freedom. Oui, plus on est proche de Dieu. And the more we are close to God. Plus on sera libre. The more we become free. C'est un peu le paradoxe de l'évangile. This is the paradox of the gospels. Oui, plus nous sommes soumis à Dieu. The more we are submitted to God. Oui, dans la confiance, dans l'amour. Of course, in trust and in love. Mais plus nous serons libres. And the more we become free. Dieu est la source de notre liberté. God himself is the source of our freedom. Et puis il est aussi le sauveur de notre liberté. And he is always he is also the savior of our freedom. Enfin, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion. It's not too long ago that I've made this reflection. Non, que je vais vous partager maintenant. That I will share with you now. Bon, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais. It's not totally in the subject, but. Mais quand même, je vous le partage. But nevertheless, I would like to share it with you. Vous voyez, c'est vrai que donc une des grandes tentations du monde actuel. So one of the great temptations of the actual world. Oui, c'est de mettre Dieu à l'écart. Is to put God on the side. Puis c'est parfois un peu notre tentation aussi. Well, sometimes it's also our temptation also. De pas toujours mettre Dieu au centre. To not always put God in the center. Et on essaie de le mettre de côté. We try to put God on the side a little. Et puis parfois même de l'oublier complètement. And even sometimes to forget him completely. Mais est-ce que c'est une bonne opération? But is this a good operation? Donc je ne suis pas tout à fait sûr. I'm not completely sure of this. Oui, justement, c'est un peu ça l'idée qui m'est venue il y a quelque temps. This is exactly the idea that came to me a little bit of time ago. Je pensais à la parabole de l'enfant prodigue. I was thinking of the parable of the prodigal son. Oui, dans l'évangile de Luc. In the gospel of Saint Luke. Cette parabole qui est magnifique. It's a magnificent parable. De la paternité, de l'amour de Dieu. Of the fatherhood, of the love of God. Oui, son infinie miséricorde. His infinite mercy. Oui, et imaginons cette parabole. And we let's try to imagine this parable. Oui, et quand on met Dieu à l'écart. And when we put God on the side. Donc vous connaissez bien l'histoire. You know very well the story. Ce jeune homme qui a pris sa part d'héritage. This young man that took his inheritance. Oui, qui est parti faire sa vie très loin. And he left to make his own life very far from home. Qui a dépensé tout son argent. Who spent all of his money. Puis qui a fini par se retrouver à garder des cochons. And then at the end he found himself keeping the pigs. Puis il aurait bien voulu manger ce qu'on donnait aux cochons. He would have even liked to eat what was given to the pigs. Bon, c'est vrai que se retrouver dans ce genre de situation. It's true that to find himself in such a situation. Pour un garçon d'une bonne famille juive. For a young man of a Jewish family, of a good Jewish family. C'était pas tout à fait la meilleure réussite. This was not really a great success. Et donc il commence à réfléchir. So we see that he starts to think. En disant voilà, je vais retourner chez mon père. Okay, I think I will return to my father. Tous les ouvriers chez mon père ont assez à manger. All the workers that work for my father have much more than me to eat. Donc moi je meurs de faim ici. And I'm dying of famine. Oui, je vais retourner dans la maison de mon père. I'm going to return to my father's house. Et je lui dirai. And I will tell my father. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Father, I have sinned against heaven and against you. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. I don't merit to be called your son. Prends-moi comme un simple ouvrier. So take me as just a simple worker. Donc il retourne à la maison. So he goes back home. Oui, et nous savons ce qui s'est passé. And we know well what happens. Oui, le père l'a pris dans ses bras. His father takes him into his arms. Oui, en pleurant. Oui. And he cries. Il est tellement heureux de retrouver son fils. He cries of such joy to find again his son. Puis on a fait une grande fête. Oui. And then we make this big feast. Donc ça s'est terminé de manière magnifique. Oui. And it ended in a very magnificent manner. Mais je dirais dans un monde où Dieu n'existe pas. I would say that in a world where God doesn't exist. Oui, quand l'enfant prodigue veut revenir à la maison. When the prodigal son wants to come back home. Qu'est-ce qui se passe? What happens? Il n'y a personne. There's no one. La maison est vide. The house is empty. Personne pour t'accueillir. No one can welcome me. Personne pour te prendre dans les bras. No one could take me in their arms. Personne pour te faire miséricorde. No one can give me their mercy. Personne pour te pardonner. No one can forgive me. Personne pour te guérir. And no one can heal me. De tes blessures. Of all my wounds. De tes erreurs. Of all my mistakes. De tes échecs. Of all my failings. Il n'y a plus personne qui peut te dire. There is no one who could tell you. Peut-être que ta vie n'est pas fantastique. Maybe your life was not fantastic. Peut-être que tu as fait des erreurs. Maybe you have made some errors.
dit, mais tu restes mon fils. But you nevertheless remain my son. You are my child. Il y a une place pour toi à la maison. And there is always a place for you in my house. Une belle place. There's a beautiful place. Pas une place comme domestique. Not a place like a worker. Mais une place comme fils. But a place like a son. Et cette place, personne ne pourra te l'enlever. And that place, no one can take from you. Oui, c'est ça, Dieu. This is God. C'est pas quelqu'un qui opprime l'homme. He is not someone who suppresses man. Mais c'est au contraire. But it's on the contrary. Celui qui donne cette possibilité à l'homme. He is the one who gives the possibility to man. Quelles que soient les erreurs. No matter what his mistakes were. Quelles que soient les échecs. No matter what his failings were. Il nous donne cette liberté. He gives us, he gives man this freedom. Retrouver notre dignité. To be able to find again our dignity. Notre dignité humaine. Our human dignity. Notre dignité d'enfant de Dieu. Our dignity of being a child of God. C'est une réalité qui est tellement belle. And it's a beautiful. Reality. Oui. Et je crois que c'est ça qui est un peu dramatique. I think this is what's a little bit dramatic. C'est qu'un monde sans Dieu. Is that a world without God? Oui, devient un monde sans miséricorde. Becomes a world without mercy. Oui, un monde sans pardon. And it's a world without forgiveness. Un monde où l'échec. It's a world where the failing. Devient une catastrophe absolue. Becomes an absolute catastrophe. Oui. Je pense que la pire chose qui peut arriver à l'homme. I think the one of the worst things that could happen to man. C'est d'être obligé de réussir. Is that to be forced to succeed? Oui. That's one of the worst things that could happen to man. Et je crois que c'est un problème aujourd'hui. And I think it's a problem of today. Comme il n'y a plus cette confiance en Dieu. That we don't have enough trust in God. Cette espérance dans sa miséricorde. We don't have this hope in His mercy. On est comme obligé de se sauver tout seul. We are somewhat obligated to save our own self. Il y a à la force du poignet. And there is at the force of our own arm. Alors ça peut marcher pendant un certain temps. In some time that could work. For some time. Il y aura des moments de la vie. But there will be moments of life. Où ça va plus marcher. Where they will not work anymore. On aura besoin de pardon. And we will absolutely have a need for forgiveness. On aura besoin de guérison. And we will have a need for healing. Et de quelqu'un qui nous dit. And for someone to tell us. Quoi que tu aies fait. No matter what you have done. Tu restes mon enfant. You remain my child. Et tu as ta place à la maison. And you have your place in my home. Bon, ça c'est donc une petite parenthèse. So this is a little parenthesis. Simplement. Pour montrer combien ce mystère de Dieu. Simply to show you how simple this mystery of God. C'est pas quelque chose qui est là pour rendre la vie plus difficile. Is not here to make our life more difficult. Mais au contraire. But on the contrary. Dieu est celui qui est toujours capable de sauver. God is the one who is always capable of saving. Notre liberté en particulier. Our freedom most particularly. Quand elle a pu parfois se dévoyer. And especially when our freedom was not always present. Alors maintenant. Donc on va réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la liberté pour nous. So now we will think together a little bit on what is freedom for us. Alors je suis pas philosophe, je suis pas théologien. So I am not a theologian and I'm not a philosopher. Donc vous présenter quelques réflexions. I would just like to present to you certain of my thoughts. Oui. Donc ce que je voudrais sur quoi on va d'abord réfléchir. What I would like to start with to think of with you. C'est que quand nous utilisons la parole liberté aujourd'hui, is that when we use the term freedom today, à quoi nous pensons? What do we think of? Qu'est-ce que nous avons dans la tête? What comes to our mind when dans we say the word freedom? Dans notre culture occidentale moderne. In this Western modern culture. Alors, et je crois qu'il y a quatre manières de voir la liberté. And I think there are four ways of looking at freedom. Alors, qui ne sont pas complètement fausses. They are not completely false. Mais qui peuvent quand même nous conduire à des impasses. But that could somewhat lead us to certain dead ends. Puis on essaiera de voir après, bien comment résoudre un peu ce problème. So we will look together a little bit on how we are able to resolve this problem. Autrement dit, comment trouver une notion de liberté. How can we, in other words, how can we find a notion of freedom? Qui soit réaliste. Which could be real. Et puis conforme à la vérité de l'évangile. And that is conform to the truth of the gospels. Oui, donc aujourd'hui, quand on parle de liberté. So today, when we speak of liberty, oui, souvent, of freedom. Souvent, la première chose qu'on a en tête, souvent. The first thing that we have in mind often. Oui, c'est l'idée de puissance. Is this idea of power. Oui, que plus nous serons puissants. That the more we are powerful. Plus on pourra transformer la réalité. The more we can transform the reality. Oui, plus on pourra changer les choses. And more we could change things. Oui, plus on sera libre. And the more we could become free. Et on a souvent un petit peu cette idée. So often we have this idea. Oui, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis. The first time that I came to the United States. Oui, j'avais oublié mon pyjama. I had forgotten my pyjamas. Alors j'ai demandé à la
J'ai demandé à l'ami qui m'accueillait à l'aéroport. So I asked the friend who received me at the airport. On pourrait pas aller dans un supermarché acheter un pyjama? Can we please go to a quick supermarket to buy a pyjama, a store to buy a pyjama? Il m'a dit pas de problème. He said no problem at all. On a été dans le rayon des vêtements. So we went to the aisle of the clothing. Les pyjamas. And where the pyjamas were. Et puis j'ai vu il y avait le pyjama Superman. And I saw the pyjama Superman. Spider-Man. And then I saw Spider-Man. Tous les super-héros. All the superheroes. Alors je dis, vous n'avez pas un pyjama normal? And he said, do you not have a normal pyjama? Il y en avait. Bon, oui, enfin, oui, simplement pour dire que il y a ce rêve de toute puissance. It's oui. Simply to tell you that there's this dream of this almighty power. Qui est très présent dans notre culture. Which is very present in our culture. Alors bon, c'est amusant dans les films et tout ça. Well, it's a little funny in the movies. Mais quand même, c'est assez limite, voyez. But nevertheless, it's a little bit limited. Parce que quel que soit le pouvoir dont on dispose. Because no matter what is the power of which we dispose. Économique, intellectuel. Whether it's economical, intellectual. Physique ou psychologique. Physical, oui. Psychological. Et quel que soit le pouvoir qui est le nôtre. Whatever the power that is ours, oui, il y aura toujours de certaines situations. There will always remain certain situations où on sera impuissant. Where we will be incapable. Il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas changer. There are always things that we will confront that we could not change. Il y a toujours des limites à la puissance humaine. And there's nevertheless a certain limit to the power of man. Alors on essaie aujourd'hui d'augmenter. So we try always to increase and increase. Mais je pense pas qu'il y a quand même des limites. But I think there is nevertheless some limits. Et donc c'est important de comprendre que la liberté. So it's important for us to understand that freedom. Oui, c'est pas simplement la capacité à changer les situations. Is not strictly the capacity to be able to change our situation. C'est pas simplement un certain pouvoir. It's not simply a certain power. Mais c'est aussi souvent. But it's often. Oui, accepter des choses. It's often to accept certain things que nous ne pouvons pas changer. That we cannot change. Des choses sur lesquelles face auxquelles je suis impuissant. It's the things that in front of I am incapable. Que je ne peux pas transformer. That I could not change or transform. Mais quand même. But nevertheless. Dans un regard de foi. With a look of faith. Dans un regard d'espérance. With a look of hope. Oui, j'accueille. I receive and I welcome. J'accepte. And I accept. Mes limites et. Est-ce que je peux pas transformer? Oui. I accept my limitations and I accept what I cannot transform. Et c'est souvent comme ça qu'on doit exercer sa liberté. It's often like this that we need to exercise our freedom. Pas toujours en transformant les choses. Not always in transforming things. Mais aussi en accueillant la réalité. But also in welcoming and accepting the reality. Telle qu'elle est. Just as it is. Que j'ai pas toujours le pouvoir de changer. That I don't always have the power to change. Et heureusement, vous voyez. And thankfully, you see. Donc, oui, ça suppose une certaine humilité. But this also suggests a certain humility. Une certaine confiance. A certain trust. Mais c'est aussi de manière importante. And it's also an important way. D'exercer sa liberté. To exercise our freedom. Que d'accueillir la réalité. To accept a reality. Non pas comme je veux qu'elle soit. Not the way I want it to be. Mais telle qu'elle est. But the way it really is. Et de découvrir. And to discover la grâce et la présence de Dieu. To discover always anew the grace and the presence of God. De manière parfois inattendue. Sometimes in a way that we never expected it to be. Et c'est parfois dans la pauvreté. Sometimes it comes in the poverty. C'est parfois dans la maladie. Sometimes it's in an illness. C'est parfois là qu'on vit les choses les plus importantes. Sometimes it's here that we live things that are the most important. Oui, moi je crois que les situations qui nous font le plus grandir. I personally think that the situations in which we have to really grow. C'est pas toujours les situations qu'on maîtrise. Are not always the situations that we master. Parfois c'est le contraire. It's sometimes the contrary. C'est justement dans les situations que je maîtrise pas. It's precisely in the situations that I don't master. Que je peux le plus grandir. That I could the most grow. Parce que justement comme je peux pas changer l'extérieur. Because exactly because I cannot change the external aspect. Je suis obligé de changer mon cœur. I am obligated to change my heart. Oui, de voir les choses autrement. To look at things differently. De manière plus profonde. In a way that is more profound. Oui, et plus vrai. Voyez. And more true. Oui. Donc ces situations, vous voyez, parfois de fragilité, d'impuissance. So you see that these situations sometimes that are of fragility, of incapacity. Bon, on les aime pas beaucoup. We don't like them very much. Mais ça peut être une grâce en même but temps. But they could be a grace at the same time. De nous appuyer davantage sur le Seigneur. Because we can then lean more and more on God. Et expérimenter davantage la miséricorde de Dieu. We could experience more and more the mercy of God. Et la sagesse de Dieu. And the wisdom of God. Mais qui peut tirer un bien de tout? Who is capable of drawing good from every situation? Y compris ce qui nous semble négatif. Oui. And included what seems to us something negative. Oui, Dieu peut en tirer un bien. God can draw from that something good.
Alors, une deuxième manière aussi très fréquente de concevoir la liberté aujourd'hui. So a second way that we frequently look at freedom today. Oui, c'est d'identifier la liberté avec la possibilité de choisir. Is to identify freedom with the possibility of having a choice. Oui, plus on aura de possibilités de choix. The more we have the possibility to choose. La plus on est libre. The more we are free. C'est ce que j'appelle un peu la liberté supermarché. Oui. This is what I call sometimes the liberty of shopping or the supermarket. Oui, alors il y a le tout petit magasin où the little store, il n'y a pas beaucoup de choix. Where there's not a whole lot of choice. D'un côté, il y a un grand supermarché. And next to it, there's a huge department store. Et on vous dit venez chez nous. And it will say come here, come here. Il y a bien plus de choix. And we have a lot more choice. Vous serez bien plus libre. You will be much more free to choose. Et bien plus heureux. And much more happy. Dans le grand supermarché. In the big supermarket. Mais alors, est-ce que ça marche toujours? Does it always work? Je suis pas sûr. I'm not sure. Moi, je vais pas trop très souvent dans les supermarchés. I don't go really often in a department store. Mais parfois la communauté me demande d'aller faire des courses. But sometimes the community asks me to go do some shopping. Oui, alors j'ai ma liste de choses qu'il faut acheter. And I have my list of things that I need to buy for the community. Alors, je dois acheter des yaourts. Sometimes I have to buy yogurt. Alors je vais dans le rayon des yaourts. So I go in the aisle of yogurt. Il y a 80 yaourts différents. And there's 80 kinds of yogurts. Alors, lequel je prends? Which one do I take? Et après, je dois aller acheter une brosse à dents. And then I have to go buy a toothbrush. Alors, il y a 50 brosses à dents and différentes. There's 50 different toothbrushes. Bon, qu'est-ce que je fais? Which one do I take? Etc., etc. Etc., etc. Bon, je caricature un petit peu. Well, I'm characterizing a little bit. Je crois qu'il y a une abondance qui est agréable. I think it's pleasant to have a certain abundance. Mais en même temps, ce n'est pas toujours source d'un bonheur infini. But it really is not always a source of an infinite happiness. Parce que ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Because it's not always easy to make the good choice. Et puis d'autre part aussi, on ne peut pas tout acheter. And at the same time, we can't really buy everything. Parce que parfois, c'est justement la chose qui me plaît le plus. Because sometimes it's the one thing that pleases me the most. Qui est justement celle qui coûte trop cher. Is the one that is the most costly. Par rapport à mon budget. Depending on my budget. Donc je peux pas l'acheter. So I can't even buy that, the one I like. Je peux la regarder pendant un certain temps. I can look at it for some time. Oh là là, qu'est-ce que ce téléviseur est beau. Oh là là, it's beautiful. Ça serait super de l'avoir. It would be wonderful to have it. Puis je dois partir avec le téléviseur deux fois plus petit. And then I must go home with the TV much smaller than I had wanted. Donc finalement, il y a plus de frustration. So finally, it becomes much more a frustration. Oui, moi je suis persuadé qu'une société d'abondance. I'm convinced that the society of abundance. Oui, crée plus de frustration. Creates more frustration. Que de bonheur. As opposed to happiness. Ça c'est très clair, oui. Et puis aussi, je dirais que il y a une question qui est assez grave derrière. And I will also say that there is a very important and grave question behind this. Et je pense que c'est vraiment un problème pour le monde d'aujourd'hui. And I think it's a problem of our world of today. Oui, c'est que nous avons une immense liberté. Is that we actually have an immense freedom. On peut presque tout faire aujourd'hui. We can almost do anything and everything. Je peux même changer de sexe. I can even change my gender. Et puis tout le monde trouve ça très bien. And then everybody finds this good and fine. Voilà. Donc on a une quantité de choix absolument énorme. So we have a number of choice which is enormous. Mais en même temps, comme justement on a mis Dieu à la poubelle, oui. Comme on a mis Dieu de côté. And at the same time, since we have put God on the side, almost he wants to say in the garbage. Oui, et que chacun se fait sa propre vérité. And that each one of us makes his own proper truth. Oui, il n'y a plus personne. There's no more anybody. Pour nous donner une lumière. There's no more anybody that can give us a true light. Oui, nous donner une sagesse. To give us a wisdom. Oui, qui nous permette parmi tous les choix possibles. That can help us and allow us amidst all the choices that are possible. Oui, à faire les choix qui sont les bons. To make really the good choices. Les choix qui sont bons pour moi. The choices that are good for me. Qui sont bons pour les autres. That are good for the others. Qui est-ce qui va m'éclairer? Who is going to enlighten me? Oui, où est-ce que je vais trouver la lumière? Where am I going to find this light? Et oui, donc on a le paradoxe un peu de l'homme moderne. So we have this paradox of this modern man. Qui a des choix presque infinis. Who has almost infinite choices. Mais en même temps, qui refuse toute vérité objective. And at the same time, who refuses every objective truth. De toute parole. Every word. Et toute lumière. And every light. Plus grande que lui. Bigger and greater than himself. Et qui pourrait l'éclairer dans ses choix. That could have wanted to enlighten him in his choices. Et moi, je pense qu'à long terme. And I think that for the long term. C'est une source d'angoisse. It could become a source of anxiety. Oui. Alors, on peut être très content de sa liberté. So we could be very happy of our freedom. Il n'y a plus de Dieu. There's no more God. Il n'y a plus de maître. There's no more master.
master. Je peux faire tout ce que je veux. I could do anything and everything I want. Je suis libre. I am free. Alors on peut trouver ça extraordinaire. So we can find this extraordinary. Mais je pense qu'à long terme. But I think that for the long term. Oui, ça peut devenir une angoisse. It can become an anxiety. Il y a tellement de choix possibles. There's so many possible choices. Et personne pour me dire. And no one that can tell me. Pour m'aider à prendre des bonnes décisions. No one can help me to make a good decision. Et moi, je suis absolument persuadé. And I'm completely convinced. Mais qu'il y a un certain poids d'anxiété. That there is a certain weight of anxiety. Qui pèse sur le monde. That is weighing on the world today. À cause de ça. Because of this. Tellement de choix possibles. So many choices possible. Mais il y a pas cette personne ou cette vérité. But there is not a truth or a person. Qui peut t'aider. That can help us. À prendre les bonnes décisions. To make the good decisions. Et puis aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que. And there is also something that one should not forget. Bon, c'est bien de choisir. It's good to choose. Entre différentes possibilités. It's good to choose in between, amidst many varied possibilities. Mais choisir, c'est aussi renoncer. But to choose is also to renounce. Si je choisis d'épouser une femme. If I chose to espouse a woman. Je dois renoncer à toutes les autres. I have to renounce to all the others. Pourtant, il y en a qui sont très jolies. Although there are many, the more who are very, very beautiful. Oui, pour ça entre une famille chrétienne, un père de famille chrétienne. So this for a father of a Christian family. Et moi qui suis prêtre. And between him and me who is a priest. Qui choisit le célibat. Who have chosen to be remain celibate. Bon, il y a une grande différence. There's a great difference. Mais en même temps pas tellement que ça, vous voyez. At the same time not that much of a difference. Parce que moi j'ai renoncé à toutes les femmes. Because I have renounced to all the women. Mais le père de famille renonce à toutes moins une. And oui. The father of a family renounces to all except minus one. Donc quelque part. So there's not that much difference. Et vous savez qu'aujourd'hui il y a quand même cette difficulté. And you know that today there is nevertheless this difficulty. De beaucoup de personnes qui ont peur de s'engager. Of so many people who are afraid to commit. Parce qu'on a peur de perdre sa liberté. Because they are afraid of losing their freedom. Oui, être lié à une seule personne. To be linked or bonded with one single person. Non, c'est trop limitatif. Oh, this is too much limiting. Donc on veut rester libre. I would like to remain free. Et donc on s'engage pas, on se décide pas. So we don't commit at all. We don't decide on anything. Puis on vit de manière superficielle. And then we end up living in a very superficial manner. Oui, je crois que ça, c'est une des grandes tentations du monde d'aujourd'hui. I think this is one of the greatest temptations of our world of today. C'est le surfing. It's the surfing. Oui, alors on surfe sur Internet. So we surf on the net. Bon, sur les vagues, c'est très bien. And we surf on the waves, this is very good. Bon, j'en serais pas capable. I would not be able to do that. J'admire beaucoup. But I admire very much those mais, who do it. Mais, oui, mais au plan humain. But at the human level. Oui, ça peut devenir très très dangereux. It could become really really dangerous. Oui, parce qu'on s'engage pas. Because we don't commit. On se décide pas. We don't decide. Donc on reste à la surface des choses. So we remain always at the surface of things. Oui, on va pas dans la profondeur. We don't go deep. Oui, alors qu'au contraire, enfin hier j'ai parlé du mariage. So while on the other side, you see, for example, yesterday I spoke on marriage. C'est une très très belle réalité. Which is a very beautiful reality. C'est un choix qui est difficile. And it's a choice that is difficult. Oui, être fidèle à une personne. To remain faithful to one single person. Pendant toute sa vie. And for the remainder of my life. Oui, c'est sûr que ça fait peur. Of course, it could be frightening. Mais en même temps, c'est un choix qui est fantastique. But at the same time, it is a fantastic choice. Parce que le fait d'être lié à une personne. Because the fact that we are linked to just one person. Au lieu de passer de personne en personne. Instead of passing from one person to the other. Oui, on surfe de relation en relation. Or we surf from one relation to the next. De fille en fille, de garçon en garçon. From et puis, girl to girl, from boy to boy. Oui, mais on va jamais dans la profondeur. But we go never deep in the relation. Où vraiment on s'engage par rapport à l'autre. Where we could truly engage ourselves and commit ourselves in regards of the other. Et on est obligé de le connaître. We are obligated to know each other. De le respecter. To respect the other. De tenir compte, vous voyez. To take count of what they are. D'approfondir la relation. And to go deeper in the relationship. Cette relation nous oblige à un travail. This relationship requires and obligates us to a certain work. Un travail sur moi-même. It's a work that I need to do on myself. Pour accueillir, respecter l'autre. To receive and welcome and respect the other. Qui parfois me surprend. Which sometimes that other who can sometimes surprise me. Que je peux pas enfermer dans mes idées, mes catégories. It's another that I could not completely enclosed in my own ideas and my own categories. Alors, c'est pas toujours facile. It's not always easy. Mais c'est extrêmement
positif. But it's extremely positive. Hein, parce que justement, je suis obligé d'aller dans la profondeur. Because exactly, I'm obligated to go in the depth. Hein, qu'est-ce que c'est que l'amour véritable? What is true love? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? What is human being? Hein, qu'est-ce que c'est que la relation entre l'homme et la femme? Oui. What is the relationship between man and woman? Mais non pas selon les idées de la publicité. Not only according to the ideas of the publicity. Mais dans la vérité des personnes. But truly in the truth of human beings. La fidélité n'est pas facile. The faithfulness is not easy. Mais extrêmement positif. But it is extremely positive. Enfin, il ne faut pas condamner hein, les échecs, bien so, sûr. So okay, we are not here to condemn the failings. Ah, bien sûr, mais the failures. Je dirais que quand deux personnes sont fidèles l'une à l'autre. But I would say that when two people are faithful one to the other. Elles font dans une profondeur. They go deeper. Oui, de relations entre elles. They go deeper in this relationship between each other. Dans leur relation avec Dieu aussi. Also in their relationship with God. On est obligé de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Because we are obligated to lean on the grace of God. Et donc on vit des choses beaucoup plus profondes. Then we end up living of something much more profound. Et quand on passe de relation en relation. Then when we go from relation to relation. Une autre manière donc de concevoir la liberté qui est fréquente aujourd'hui. Another way of conceiving or understanding freedom in our day of in our time of today. Oui, c'est de confondre la liberté et l'indépendance. Is to confound a little bit freedom and independence. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? What is it to be free? Oui, je ne dépends de personne. I don't depend of anyone. Je n'ai des comptes à rendre à personne. I don't have any account to give to anybody. Bon, je fais ce que je veux. I do whatever I want. Oui, sans m'occuper des autres. Disons. Without occupying myself of the others. Il y a un peu cette tendance aujourd'hui. There's today this tendency. Dans un monde qui est très très individualiste. Oui. In a world that has become very very individualistic. Alors là, il faut distinguer deux choses, voyez. So here we have to distinguish two things. Ce qui est positif pour toute personne. What is positive for every person. Et nécessaire. And necessary also. C'est de conquérir une autonomie. Is to be able to conquer a certain autonomy, to obtain a certain autonomy. Que les décisions que je prends. That the decisions that I take. Soient mes décisions. And become my own decisions. Et non pas celles que m'imposent les autres, voyez. And not the decisions that others have imposed on me. Oui, devenir autonome par rapport à sa famille. To become autonomous in regards of my family. Bon, etc. Vous voyez, donc toute personne est appelée à une autonomie. So you see, every person is called to have this autonomy. À faire des choix qui sont vraiment les choix personnels. To make choices that are truly personal choices. Mais en même temps, ce qui est très important de comprendre. At the same time, what is very important for us to understand. Je l'ai déjà dit un petit peu. And I've said it already a little bit. C'est qu'aucune personne humaine. Is that no person, no human person. Ne peut se réaliser seul. Can achieve himself alone. Oui, c'est pas possible. It's not possible. Parce que c'est pas notre nature profonde. Because it's not at the depth of our nature. Nous sommes des êtres de relation. We are beings of relationship. Créés à l'image de Dieu. We are created at the image of God. Je crois que c'est très très beau de comprendre. I think it's very beautiful for us to understand. C'est que la personne humaine. That the human person. Oui, ne peut vraiment se réaliser. Cannot truly be achieved or accomplish itself. Que dans un mystère d'alliance. Except in a mystery of covenant. Alliance avec Dieu. It's a covenant with God, qui est la plus fondamentale, which is of course the most fundamental, mais aussi alliance avec d'autres personnes, but also a covenant with other people, alliance avec une époux, a covenant with my spouse, pour l'appel au mariage, a covenant that calls me to marriage. Ça peut être aussi une alliance avec une communauté religieuse. It could also be a covenant with a religious community. C'est des liens avec l'Église. It's bonds and relationships with the church. C'est les relations qu'on peut tisser les uns avec les autres. It's also relationships that we could sew one with the other. Oui, ça c'est absolument indispensable. But this is really indispensable. Oui, personne ne peut se réaliser tout seul. No one can achieve themselves all alone. Nous avons besoin d'un certain mystère d'alliance. There is a certain mystery of covenant that we are in need of. Sous des formes différentes. It comes under different forms, mais qui est absolument indispensable. But which is indispensable, absolutely. Pour que chaque personne devienne pleinement elle-même. For that, so that each person can become fully themselves. À travers la relation à l'autre. Through this relationship with the other. La relation à Dieu. This relationship with God. Et puis d'autres personnes humaines. And the other human beings. Un petit peu pour la raison que j'ai déjà dite. That's also for the reason that I've already listed. C'est qu'il n'y a pas cette capacité à créer des liens. It's this enable us to make to have a capacity to create encore, bonds. On reste à la surface des choses. If we don't have the capacity to make these bonds, we stay at the surface of things. Et on n'entre pas dans une compréhension de la vie. And we don't enter in a certain understanding of life. Et dans ce cas-là, de plus profond. Of what is the most profound. Le mystère de l'amour et bon. The mystery of love, etc. Etc. Oui. Là, une quatrième. Ça va, vous me suivez? Are you able to follow me?
Alors, la quatrième manière de concevoir la liberté qui est fréquente aujourd'hui. So the fourth way of which the world sees freedom today. C'est de confondre la liberté avec la spontanéité. Is to confound a little bit freedom with spontaneity. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Oui, c'est un peu l'idée suivante. It's the following idea. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? What is it to be free? Oui, c'est suivre mes désirs. It's actually to follow my desires. Oui, suivre mon cœur. To follow my heart. Oui, dans les décisions et les choix qui sont les miens. In all the decisions and the choices that are mine. Ne pas être gouverné par des choses extérieures. Do not be very much governed by external things. Mais être gouverné par mon désir. But to be able to be governed by my own desire, my own whims. On dirait suivre son cœur. We say follow your heart. La publicité joue beaucoup là-dessus d'ailleurs. And the publicity plays a lot on this. Suivez vos envies. Follow your desire. Soyez. D'ailleurs, c'est un peu étrange la publicité parce qu'elle vous dit soyez vous-même. It could be a little bit strange publicity because it could tell you be yourselves. N'ayez pas peur d'être vous-même. Don't be afraid to be yourselves. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Don't be afraid to do what you have a desire to do. Sans vous occuper des autres. Without worrying about the others. Puis en fin de compte. And at the end of the. Oui, tout le monde fait la même chose. And oui. At the end of things, everybody does the same thing. Bon, parce que nos désirs sont souvent modelés justement par la publicité. Because our desires are sometimes a little bit modeled and formed according to the publicity. Oui. Parfois on croit qu'on est libre. Sometimes we think that we are free. On croit qu'on est original. And we think that we are original. Parce qu'on a un tatouage. Because we have a certain tattoo. Mais maintenant tout le monde en a des tatouages. But everybody has a tattoo. Alors. So. Oui. Ça c'est vraiment caractéristique. This is very characteristic. Oui, bon. Enfin moi j'en ai pas mais. Well, I don't have one but. Je ne sais pas si les sœurs en ont. I don't know if the sisters have one. Bon. Maybe the heart of Jesus. Bon, je répète, il ne faut pas juger. We are not judging. Il ne faut pas juger. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a une recherche d'identité derrière. But it's true that behind this there is a certain search for identity. Oui, l'homme a un besoin terrible. Where man has a terrible desire or need. D'être lui-même. To be himself. D'être reconnu. To be recognized. De manière unique. In a very unique manner. Mais ça, c'est Dieu qui nous le donne. And this is God Himself who gives us that. Mais ce qui nous rend original. But what makes us really original and unique. C'est pas les tatouages ou les habits qu'on porte. Is not at all the clothes that we wear or the tattoos that we get. Mais c'est l'amour unique que Dieu a pour nous. But it's this unique love that God has for each one of us. Dieu t'aime de manière unique. God loves you in a very unique way. Dieu te préfère. And God prefers you. Ça c'est le mystère de Dieu. This is the mystery of God. À la fois il aime tout le monde. And on one side he loves everybody. Et il préfère chacun. And he prefers each. Oui, tu es mon enfant bien-aimé. You are my beloved child. En toi j'ai mis tout mon amour. In you, I have put all of my love. Je t'aime tendrement. And I love you very tenderly. Et t'as pas besoin de chercher à être original. And you don't have to look to search to become original. Parce que la chose la plus originale de ta vie. Because the one thing that's the most original of your life. La plus particulière. And the most particular. La chose unique. The thing that is most unique. Et que personne n'aura. And that no one else will have. Oui, les tatouages, ils se ressemblent tous finalement. All the tattoos, they look alike everywhere. Mais l'amour que Dieu a pour toi. But the love that God has for you. Ça, c'est absolument unique. It is absolutely unique. C'est vraiment ta grâce, ta beauté. It is truly your grace, your beauty. C'est la valeur de ta vie. It's the value of your own life. Oui, le pape Benoît XVI dit la chose suivante. Pope Benedict XVI says the following thing. Ce qui fait la valeur la plus profonde de l'être humain. What makes the value, the most profound value of the human being. C'est pas ce qu'il fait. Is not what he does. C'est pas ce qu'il produit. It's not what he produces. C'est ce qu'il reçoit. But it is what he receives. Oui, ce qu'il reçoit. It's what he receives. Oui, l'amour qu'il reçoit de Dieu. It's this love that he receives from God. Oui, c'est ça qui nous rend absolument uniques. It is this that renders us absolutely unique. Alors, bien sûr, il faut répondre à cet amour. Et of course, we have to respond to this love. Développer ses talents et tout ça. To develop our talents. Ça a beaucoup de valeur. And this has a lot of value. Mais n'oublions pas. Oui, but let us not forget. Que la chose la plus précieuse dans notre vie. That the one thing that is most precious in our life. C'est ce que nous recevons de Dieu. It is what we receive from God. Oui, la tendresse. It's the tenderness of God. L'amour unique. It is this unique love. Que Dieu a pour toi. That God has for you. Et que tu découvres peu à peu. That you discover little by little. Bon, il y a des moments de sécheresse. Of course, there could be moments of dryness. On sent pas toujours la présence de Dieu. We don't always feel the presence of God. Mais c'est quand même une réalité. But it is nevertheless a reality. Je dirais que le premier devoir d'un chrétien. I would see the first
must for a Christian, the first duty for a Christian, c'est pas de faire mille choses, is not to do a thousand things. Ou parfois on trouve son orgueil aussi. Or sometimes we can find also our pride. Parfois il y a beaucoup de recherche d'amour propre. Sometimes there's a lot of searching for our own proper self-love. Mais je dirais que la chose la plus importante pour une personne humaine, I would say one of the most important things for a human person, c'est de se laisser aimer par Dieu. Is to allow himself to be loved by God. De découvrir. To discover. Dans la foi, dans la prière. To discover in faith and in prayer. À travers la Sainte Écriture aussi. According to this sacred scripture also. De découvrir. To discover. Oui, l'amour unique. Where is this unique love? Que le Père a pour toi. That your Father has for you. Comment le Père te regarde? How does the Father look at you? Et comment le Père t'aime? And how does the Father love you? Avec tendresse. With a lot of tenderness. Et peu importe tes défauts. Et it doesn't really matter your defects. Mais le Père t'aime avec une tendresse infinie. Your Father loves you with an infinite tenderness. C'est ça le plus grand trésor. This is the greatest treasure. Et je crois que c'est ça qui nous rend libres aussi. And I think it's this that can render us free et also. Sinon pas de s'épuiser à. It's not to exhaust ourselves. Dans un succès humain. In a human success. On veut absolument prouver aux autres et prouver à soi-même qu'on est le meilleur. Or we have to constantly prove to others and prove to ourselves that we are the best. Et puis on s'épuise à ça. Oui. And then we get exhausted. We exhaust ourselves at this. Alors que je crois que, alors bien sûr, il faut être généreux. J'en reparlerai tout à l'heure. Of course, we have to be generous, and I will speak of this in a little bit. Et développer nos talents. Oui. And we have to develop our talents. Mais il faut que le fondement de notre vie. But I think that the base and the foundation of our life. Ne soit pas simplement notre propre activité. That it not be simply our activity. Oui, mais ce que nous recevons de Dieu. But actually what we receive from God. La grâce qu'il nous accorde. The grace that he grants us. La manière dont il nous aime. Et the way, the manner that in which he loves us. Et combien aussi Dieu, comment Dieu désire nous conduire aussi. And also to look at how God himself desires to guide us. Oui, avec bonté, avec sagesse. With his goodness, with his wisdom. Oui, non pas pour nous enfermer. Not really to close us. Non pas pour nous écraser. Not to smash us down or to diminish us. Mais au contraire, pour nous rendre libres. On the contrary, he wants to free us. Ce qu'il y a de plus beau dans ma personnalité. What is most beautiful in my personality. Puisse s'exprimer, s'épanouir. And it's to be more expressed, more opened, oui, more developed. Peu à peu. Little by little. Bon, là, je suis sorti un peu de mon sujet. So here I left a little bit the subject. Voilà. Mais je crois que ce que j'ai dit est très important. But I think what I said is very important. Oui, que être chrétien, c'est pas d'abord faire des choses. So to be Christian is not first of all to do things. C'est d'abord accueillir. It's first of all to receive. Un amour. To receive a love. Une présence. A presence. L'amour infini de Dieu. The infinite love of God. Et puis de répondre à cet amour. Et and to also be able to respond to this love. C'est là qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent naître. It's here where there are some extraordinary things that could happen. Et que nos capacités humaines peuvent se développer de la meilleure manière. It's here that our human capacities could really develop of a very extraordinary manner. Oui, sur le fondement de cet amour que nous recevons de Dieu. On the base of this love that we receive from God. Oui. Alors donc, je disais que souvent, comment est-ce qu'on voit la liberté? So I will say, how is it then that we see and perceive freedom? Donc c'est suivre son désir, suivre son cœur. It's sometimes to follow your desire, follow your heart. Alors c'est pas une idée complètement fausse. It's not really an idea that's totally wrong. Et puis c'est à ça que Dieu veut nous conduire. And it is to this that God wants to guide us. Mais c'est ce que dit la fameuse parole de Saint Augustin. And this is what the famous word of Saint Augustine say. Aime et fais ce que tu voudras. Love and do whatever you please. Si ton cœur est plein d'amour. If your heart is full of love. Si c'est l'amour qui règne dans ton cœur. If love is what reigns in your heart. Bien alors tu peux faire ce que tu veux. Then you could do whatever you would like. Parce que ton cœur est habité par l'amour. Because your heart is inhabited by love. Et tu feras le bien. And you could do and you will do what is good. Il y a aucun problème. There is no problem there. Et c'est à ça que Dieu veut nous conduire. And it's to this that the Lord wants to guide us. C'est ça le travail de l'Esprit Saint dans notre vie. It is this the work of the Holy Spirit in our life. Et cette nouvelle alliance. It's this new covenant. Dont parle le prophète Jérémie. Of which speaks the prophet Jeremiah. Chapitre 31. It's the chapter 31. Que la loi de Dieu. That the law of the Lord sera plus simplement une loi écrite. Will not be simply just a written law. Sur des tables de pierre. On tablets of stone. Mais inscrite dans le cœur de l'homme. But it will be inscribed in the heart of man. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Ça veut dire que par la grâce du Christ. It means that through the grace of Christ. Dans la nouvelle alliance. In the new covenant. Et grâce au travail du Saint-Esprit. And thanks to the work of the Holy Spirit. Où Dieu transforme le cœur de l'homme. Where God will come to transform the heart of man. Il te donne un cœur nouveau. And he will give us a heart new. Un cœur capable
capable d'aimer. A heart capable of loving. Et là, tu peux suivre ton cœur. And here, you could follow your heart. Aucun problème. No problem at all. Mais nous n'y sommes pas encore. But we have not gotten there yet. Donc un peu de patience. So patience. Oui. Ce qu'il faut simplement reconnaître. What we simply need to recognize. C'est que je ne suis pas encore pleinement rempli par l'amour. Is that I am not, I'm simply not fully yet filled by love. Il y a mes blessures. There's also my wounds. Oui, il y a mon péché. There's my sins. Il y a mon orgueil. There's my pride. Tout ce que vous voudrez. All that you want. Donc, avant que je puisse suivre mon cœur. So before I could really follow my heart. Il faut accepter. I have to accept. Un certain travail intérieur. A certain interior work. De conversion. Of conversion. De purification. It's a work of conversion and of purification. Un travail de l'Esprit Saint. It's a work of the Holy Spirit. Auquel je dois collaborer aussi. With which I need to collaborate also. Qui est nécessaire. Oui. And it's a work that is necessary in me. Puis je dirais que la deuxième manière aussi de deuxième chose à laquelle il faut être attentif. And I would say that there is another thing to which we need to be attentive to. Enfin, ce que je veux simplement conclure de ce que je viens de dire. What I would like to conclude of what I've just said. Oui, c'est que souvent on a cette illusion dans le monde moderne. Is that often in this modern world there is this illusion? Qu'on peut être libre tout de suite. That we could be free immediately, right now. Sans travail. Without any work. Sans que ça coûte rien. Without that costs us anything. Alors qu'au contraire, la véritable liberté. While really on the contrary. True freedom lui demande un chemin, requires of me a path, une conversion, a journey, a conversion, et un travail sur and soi, there's a work on myself, qui parfois demande du courage, which sometimes demands courage. Alors, il faut s'appuyer sur Dieu, bien sûr. Mais, of course, we are supposed to lean on God. Il faut avoir cette humilité de dire. We have to have this humility to say to ourselves. Je ne suis pas encore complètement libre. I'm not totally free yet to follow my heart. Je le serai un jour. I will probably be there one day. Mais là, il faut rester un peu prudent. But for now, I need to remain prudent. Oui, d'autant plus que parmi les désirs qui sont les nôtres. So much more that among the desires that are ours. Oui, il y a beaucoup de désirs dans notre cœur. And there are so many desires in our heart. Certains sont profonds. Some of them are profound. Sont authentiques. Some of them are authentic. Ils viennent de Dieu. And they come from God himself. Ils correspondent à notre identité. They correspond fully to our identity. Et là, il faut les suivre. And here, we have to follow them. C'est même un devoir. It's actually a duty for us to follow them. Et beaucoup de vocations viennent d'un désir. There's a lot of vocations which come from a desire. Mais il y a aussi d'autres désirs dans notre cœur. But there are also other desires in our hearts. Qui viennent pas du cœur profond. That don't come from a profound heart. Mais qui viennent de nos blessures. And that come from our woundedness. De notre orgueil. From our pride. Nos peurs. From our fear. Nos convoitises, from our lust. Donc ça c'est un aspect important de la vie chrétienne. So this is an important aspect of the Christian life. Voilà, c'est d'opérer un discernement. Oui. Is to be able to operate on a certain discernment. Oui, dans notre cœur. In our heart. Entre les désirs qui sont bons, qui viennent de Dieu. Between the desires that are good that come from God. Que nous devons suivre. That we actually should follow. Et d'autres désirs qu'il vaut mieux ne pas suivre. And other desires which we really should not follow. Et combien de personnes deviennent prisonniers. And how many people become prisoners. Parce qu'ils ont suivi certains désirs. Because they have followed certain of their desires. Sans se poser la question. Without ever asking themselves the question. Est-ce que c'est bon d'aller dans ce sens-là? Is this good to go in that direction? Combien d'addictions et de choses comme ça. How many addictions and things of the sort. Voilà. Alors, je dirais que cette notion de liberté comme spontanéité. So I will say that this idea of freedom as spontaneity. Donc, elle n'est pas fausse. And it is not totally wrong. Mais il nous faut un peu de patience. But we need to be patient a little bit. Et accepter ce travail de la grâce dans notre cœur. And we need to accept that there is a work to be done in grace and in our heart. Qui est tout le travail de la vie chrétienne. It's actually all the work of our Christian life. Alors, donc la question qu'on peut se poser maintenant. So now the question that we could ask ourselves. Donc on a vu certaines manières de comprendre la liberté. We have seen certain ways of looking at freedom. Avec des aspects justes. With certain aspects that are correct. Mais des aspects qui sont un peu ambigus. But other aspects that are a little bit vague. Alors comment trouver une bonne idée de liberté? So how can we find a good idea of freedom? Qui soit réaliste. Which would be realistic. Qui puisse nous construire. That we could actually build in ourselves. Alors, je pense que la réponse à cette question elle est assez simple. I think that that the answer to this question is fairly simple. Enfin, au moins au plan théorique. At least at the theoretical level. Après ça, dans la vie, ça prend plus de temps. Maybe in actual life, it could take a little time. Ce qui me paraît essentiel, donc, oui, c'est de jamais séparer la liberté et l'amour. What seems to me to be essential is to actually never separate
freedom from love. Je crois que c'est quand on sépare les deux qu'il commence à y avoir des problèmes. I think it's when we separate these two is when we begin to have problems. Et donc il y a deux choses qu'il est beau de considérer. So there are two things that are very beautiful for us to consider. D'une part, il n'y a pas d'amour sans liberté. On one side, there is no love without freedom. Mais qu'il n'y a pas non plus de liberté en dehors de l'amour. But also, oui. There is either no freedom without love. Donc un petit mot sur le premier point. So a small word on the first point. Oui, pourquoi la liberté est si importante? Why is liberty so important? Pourquoi elle est si précieuse? Why is it this precious? Oui, pourquoi Dieu respecte tellement notre liberté? Why does God respect so much our freedom? Bien parce que justement, là où il n'y a pas de liberté. Because exactly there where there is no freedom. Oui, il n'y a pas d'amour authentique. There is no authentic love. Qu'est-ce que c'est que l'amour? What is love? Oui, c'est deux personnes. It's two people. Oui, qui de manière libre. It's two people who, with a certain free way, se donnent à l'autre mutuellement. Give themselves one to the other. Oui, c'est ça qui est très beau dans un couple, par exemple. This is what's very beautiful in a couple, for example. Et vous savez que la liberté du consentement. And you know that the freedom of consenting one to another. Est nécessaire pour la validité du mariage. It's necessary for the validity of the marriage. Et donc c'est ça qui est très beau dans l'amour authentique. And this is what's very beautiful in this authentic love. Je me donne à toi. I give myself to you. Librement. Freely. Non pas parce que je suis obligé. Not because I'm obligated to. Non pas parce que tu m'as donné beaucoup d'argent. Not because you gave me a lot of money. Mais je me donne à toi librement. But I give myself to you freely. Et puis je sais que tu te donnes à moi. And I know also that you give yourself to me. Pas parce que tu es obligé. Not because you are obligated to. Mais librement. But freely. On se donne librement l'un à l'autre. We give ourselves to the other freely. Et là c'est fantastique. This here it's fantastic. Là, on est vraiment dans le domaine de l'amour. And here we are getting on the way of love, du respect, de la liberté, of respect, of freedom. Mais donc la liberté est tellement importante. So freedom is extremely important. Parce qu'elle est la condition d'un amour authentique. Because it is a condition for an authentic love. Et Dieu respecte notre liberté. And God Himself respects our freedom. Et nous devons respecter la liberté les uns des autres. So we also must respect the freedom of one another. Sinon on est dans le calcul, dans l'obligation. Otherwise we are always calculating, obligated one with another. Mais on n'est pas dans le domaine de l'amour. But we are not really in a true domain of love. Mais donc il faut aussi dire l'inverse, voyez. But we also must say the opposite. Il n'y a pas d'amour sans liberté. There is no love without freedom. Mais il n'y a pas non plus de liberté. But there is no freedom. Oui, en dehors de l'amour. Outside of love. Oui, c'est bien d'être libre. It's very good to be free. Voilà, je suis libre. I am free. J'ai quitté ma famille. I left my family. Je suis autonome. I am autonomous. Je suis content d'être libre. I'm very happy to be free. Oui, mais qu'est-ce que je fais de ma liberté? But what do I do with that freedom? Qu'est-ce que je fais de ma liberté? What am I doing with this freedom? Donc, c'est ça la grande question. This is the great question. Et donc la réponse que nous propose l'Évangile. So the answer, the response that the Gospels suggest to us. Eh bien, c'est, mets ta liberté au service de l'amour. Is the following. Put your freedom at the service of love. Oui. Et quand je parle d'amour, when I speak of love, je ne parle pas simplement d'émotions romantiques. I'm not really speaking of simply romantic feelings. Mais l'amour vrai, oui. But I'm talking about true love. Le respect de l'autre. The respect of the other. Oui, la capacité à se donner. The capacity to be able to be given. La capacité à servir. This capacity to serve the other. Vous connaissez il y a des paroles de Paul là qui sont très claires dans ce domaine-là. You know well there are certain words of Saint Paul in this field that are very clear. Dans la lettre première lettre aux Corinthiens au chapitre 9. In his first letter to the Corinthians in the chapter 9. Paul dit je suis libre à l'égard de tous. Paul says, I am free in regard of everybody, according to everybody. Mais je me suis fait l'esclave de tous. But I have made myself the slave of all. Pour en sauver le plus grand nombre possible. To be able to save the greater number possible. Je me suis fait juif avec les juifs. I have made myself Jew with the Jews. Païen avec les païens. Pagan among the pagans. Oui, faible avec les faibles. Weak among the weak. Je me suis fait tout à tous. I have made myself all for all. Oui, je suis un homme libre. I am a free man. Et Paul tenait à cette liberté. And Paul held really strongly to his freedom. Mais en même temps, à quoi je vais utiliser ma liberté? But at the same time, what am I using my freedom for? Eh bien, au service du Christ. Well, for the service of Christ. Et au service de mes frères et sœurs. And at the service of my brothers and sisters. Oui, c'est ça la véritable grandeur. This is the great greatness, the true greatness. Oui, c'est le don. This is the gift. C'est l'amour authentique. It's the authentic love. C'est le service. It's the service. Du prochain, de notre famille.
It's the service of our neighbor, the service of our family, de l'église, of our church, de notre pays, du monde, voyez. Of our country, of the world, you see. Et quand la liberté s'exprime dans l'amour, and when this freedom is expressed in love, là, elle prend tout son sens. Here it takes all of its meaning. Paul dit la même chose aussi autrement dans la lettre aux Galates. In a different way, Paul says the same thing in the letter of the Galatians. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. He said, you were called to freedom. Mes frères, you were called to freedom, my brothers. Mais n'utilisez pas votre liberté comme un prétexte pour la chair. But don't you use your freedom as a pretext for flesh. Autrement dit, pour l'égoïsme. In other words, for your egotism. Mais par amour. But use it by love. Mettez-vous au service les uns des autres. So by love, put yourselves at the service of one another. Car une seule parole accomplit toute la loi. Because one single word accomplishes all of the law. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Which is, you will love your neighbor as you love yourself. Vous êtes appelé à la liberté. You are called to freedom. Mais que votre liberté ne soit pas un prétexte pour l'égoïsme. But don't let your freedom become a pretext for egotism. Mais par amour. But by love. Mettez-vous au service les uns des autres. Put yourself at the service of one another. C'est là que votre liberté s'épanouira. It's in this place where your freedom will really blossom. Oui, la liberté est en vue de l'amour. In fact, liberty is in view of love. Oui, du don de soi. It's in view of the gift of self. Et c'est là que la liberté grandit. Oui, it's really here where liberty becomes grows. Oui, parce que plus l'amour est fort. Because more and more love is big, is strong. Mais plus on a un sentiment de liberté. More and more we have this sentiment of freedom. Oui, Paul dit une chose aussi aux Corinthiens. Paul says the following thing also to the Corinthians. Il dit, vous êtes à l'étroit dans votre cœur. He said, you are lacking in your heart. Et parfois, vous voyez, nous avons le sentiment que nous manquons de liberté. Sometimes you see we have a feeling that we are lacking certain freedoms. Oui, et puis on accuse un petit peu le contexte ou les autres. And we accuse a little bit others or the context of where we are. Bon, ça peut jouer évidemment. Of course, sometimes that could play. Mais peut-être que le véritable problème. But maybe sometimes the true problem. Si nous n'avons pas ce sentiment d'être libre. If we don't have this feeling of being free. C'est peut-être parce que nous n'aimons pas suffisamment. It could be possibly because we don't love enough. Mais quand on aime avec intensité. When we love with intensity. Mais quand on aime Dieu. When we love God. Quand on aime vraiment son prochain. When we love truly our neighbor. Eh bien, on se sent libre. Well, we end up feeling very free. Et je crois que qu'est-ce que c'est que la personne libre? And I think I could say, what is this free person? Eh bien, je crois que c'est la personne qui est capable d'aimer. I think it's this person who is capable of loving. Oui, en toutes circonstances. In every circumstance. Dans les moments faciles. In the easy moments. Comme dans les moments difficiles. As well as in the difficult moments. En liberté. In freedom. Comme en prison. As well as in prison. Oui, je reste capable d'aimer. I remain capable of loving. Il y a des exemples très lumineux, voyez. There are some beautiful and bright examples. Comme le père Kolbe. Like Father Kolbe. Qui avait perdu toute liberté. Who had lost all of his freedom. Oui, au plan extérieur. At the exterior level. Mais il gardait son amour pour Dieu. But he kept within him his love for God. Son amour du prochain. And his love for neighbor. Son espérance. And his hope. Et il était capable de donner sa vie. He was absolutely capable of giving his life. Par amour. By love. Il a donné sa vie pour un père de famille polonais. Oui. He gave his life for a father, for a Polish father of a family. Il était prisonnier. He was a prisoner. Mais il était libre. But he was free. Parce qu'il aimait. Because he loved. Il aimait Dieu. He loved God. Il aimait son prochain. He loved his neighbor. Et on sait que les gardiens nazis. And we know that all these Nazi guardians. Ils ne savaient pas le regarder dans les yeux. All these prison guards, they did not know how to look in his eyes. Quand lui les regardait. When he looked in their eyes. De son regard très pur. Because of his pure gaze. De son regard d'enfant. Because of his gaze of a child. Tous les saints ont un regard d'enfant. All the saints have a gaze of a child. Et bien, c'est les nazis qui baissaient les yeux. It's the Nazis who lowered their eyes. Il y avait une telle pureté dans cet homme. There was so much purity in this man. Une telle charité. And so much charity. Une telle foi. And so much faith. Une telle espérance. And so much hope. Qu'il était libre. That he was really free. Libre d'aimer. Free to love. De donner sa vie. Free to give his life. De pardonner aussi. Free to forgive also. De s'abandonner à Dieu. To be able to abandon himself to God. Libre d'aimer. Free to love. C'est ça la vraie liberté. This is the true freedom. Que nous devons désirer demander. This is the true freedom that we must desire to ask for. Non pas la toute puissance. It's not the almightiness. Non pas de satisfaire tous nos caprices. It's not to be able to come to all of our whims. Mais en toutes circonstances. But in every circumstance. Rester capable d'aimer. Remain capable of loving. Et je pense que ce qui est extrêmement important, and I think what is extremely important, c'est de comprendre que cette capacité d'aimer, is
cette capacité d'aimer. What is extremely important is to understand that this capacity of loving. Oui, elle repose sur l'espérance. It leans upon hope. Elle repose sur la foi. And it rests upon faith. Mais c'est pas toujours facile d'aimer. It's not always easy to love. De pardonner, par exemple. To forgive, for example. Ça demande une force. It demands a certain strength. Et où est-ce que vient cette force? From where comes the strength? Je crois qu'elle vient beaucoup de l'espérance. I think it comes very much from hope. Et de la foi. And from faith. Oui. Oui, l'amour, c'est un peu comme une fleur extrêmement belle. You see, love is a little bit like a flower which is extremely beautiful. Comme une belle orchidée, par exemple. Like a beautiful orchid, for example. Mais vous savez que c'est très très belle fleur. And you know that it is a very beautiful flower. Oui, elles ont besoin d'un climat particulier. But an orchid has a need of a certain particular climate. Oui, une certaine humidité. A certain humidity. Une certaine chaleur. A certain warmth. Bon, vous voyez, sinon elle peut pas s'épanouir. Otherwise, it could not blossom. Je dirais que c'est pareil pour l'amour. I would say almost it's the same thing for love. Pour que l'amour s'épanouisse. For love to be able to blossom. Il a besoin d'un climat particulier. Love needs a certain particular climate. Et je pense que ce climat, c'est l'espérance. And I think this climate is hope. Oui, plus l'espérance est grande. The greater hope, plus la confiance est grande, the greater confidence and trust, confiance en Dieu, trust in God, confiance dans notre avenir, trust in our future, confiance dans ce que Dieu peut faire en moi, trust in what God is capable of doing in me, et bien l'amour peut grandir. Well, then love is capable of growing. Et cette espérance, elle est fondée sur la foi. And this hope is founded upon the base of faith. Et plus la foi est forte, and the more faith is strong, plus l'espérance est grande, the more hope is great, et plus l'amour pourra s'épanouir, and the more love could blossom. Où l'amour comme un oiseau. Love becomes like a bird. Mais pour qu'il puisse voler très très haut. And for the bird to be able to fly very very high. Il faut des bonnes ailes. He needs very great wings. Je crois que c'est la foi et l'espérance. And I think the wings are faith and hope. Qui permettent à l'amour. That really permits to love to soar. Parce que moi j'ai remarqué la chose suivante. Because I have noted the following thing I've noticed. Quand on voit un peu les combats, les difficultés des personnes. When we see the combats and the difficulties of certain people. C'est très souvent. Quand une personne perd ses capacités d'aimer, it's very often when a person loses their capacity of loving, sa générosité, their generosity, son attention aux autres, their attention towards the other, sa charité, their charity, son enthousiasme, their whole enthusiasm towards the others. Quand une personne perd cet élan de l'amour, when a person loses this momentum of love, bien, la plupart du temps, the most of the time, bon, parfois ça peut être de la paresse. Okay, sometimes it's laziness. Bon, ça peut exister. It could exist. Ça fait partie des sept péchés capitaux. Donc it could be one of the most the capital sins. Mais je pense que la plupart du temps, oui. But I think for the majority of time. Oui, c'est pas vraiment un problème de paresse. It's not usually a problem of laziness. C'est un manque d'espérance. It's actually a lack of hope. Un certain découragement. It's a certain discouragement. Un désespoir parfois. Maybe sometimes a despair. Oui, j'ai plus beaucoup de confiance. I don't have a lot of trust anymore. Dans ce que je peux réaliser. I don't trust so much in what I could accomplish. Oui, je vois un peu mes limites. I look a little bit at my limitations. Etc. Et puis donc un certain découragement. And there's a certain discouragement because of that. Ou bien je crois plus dans mon couple. Or sometimes I don't truly believe in my couple. Je crois plus dans ma communauté. I don't believe so much in my community. Je crois plus dans l'église. I don't believe in the church. Enfin bon, le problème c'est que si quelqu'un veut quitter l'église, où est-ce qu'il va aller? Well, the problem is that if someone wants to leave the church, where are they going to go? Où est-ce qu'on va aller? Bon. Where are we going to donc go? Parfois il y a un peu ce manque d'espérance. So voyez, sometimes there is this lack of trust. Les manques de I'm foi, sorry, the, of hope and of faith. Et c'est souvent les manques de foi et les manques d'espérance. And it's often this lack of faith and of hope. Oui, qui diminue l'amour. Which diminishes love. Oui. Et pour réveiller l'amour. And to be able to awaken love. Et bien très souvent ce qu'il faut faire. Very often what we are called to do. C'est pas dire à la personne il faut en faire plus, voyez. It's not really to tell the person you must do more, you must act more. Bon, peut-être parfois c'est peut-être utile, mais sometimes it could be helpful. Je pense que la plupart du temps but I think the majority of the time il faudra arriver à discerner. We have to be able to discern. Où est le manque d'espérance, voyez? Where is this lack of hope? Où est-ce que j'ai perdu l'espérance? Where did I lose hope? Et c'est ça qui étouffe l'amour. And this is exactly what suffocates love. Je crois plus dans mon couple. I don't believe in my couple anymore. Je crois plus dans mon avenir. I don't believe in my future. Je crois plus dans telle ou telle réalité. I don't believe in this or that reality. Où j'ai perdu ma confiance en Dieu. And I lost my trust in God. Ou ma confiance en moi-même. I lost my trust in myself. Etc. Il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Évidemment. There could be many different things that we could. Mais ça me paraît un aspect important de la vie spirituelle. But this seems to me that it is an important aspect of our spiritual life. Bon, c'est pas le seul, bien entendu. Of course, we are not the only one.
Mais je pense que c'est, il faut être attentif à ça. I think we need to be attentive to this. Que très souvent là où l'amour diminue. It's very often there where love is diminished. Quand la charité diminue. When charity is diminished. C'est très souvent à cause de manque d'espérance. It's very often because of a lack of hope. Des peurs, par exemple. Sometimes fears, for example. Ça, on le voit beaucoup, vous voyez. We see this very much, you see. Oui, quand il y a trop de peurs. Qui pèse sur les personnes. When there's so much fear that is weighing on the person. Eh bien, les cœurs se ferment, voyez. Our hearts close. On devient dur. Voyez. And we become hard. Au lieu d'être généreux dans l'amour. Instead of becoming generous in love. On est pris par la peur. We are seized by fear. Et donc le cœur se ferme. And then our heart closes up. Tout ça pour dire, voyez que. All this to be able to tell you, you see. C'est la vraie liberté. What is this true freedom? C'est la liberté d'aimer. It's the freedom to love. Mais comment garder cette liberté d'aimer? And how can we keep this freedom to love? Augmenter cette liberté. How can we increase this freedom to love? Eh bien, en grandissant dans l'espérance. It's by growing in hope. Et en grandissant dans la foi. And in growing in faith. Je pense que c'est ça le chemin de la liberté chrétienne. I think this is the path of the Christian freedom. Oui, tout ce qui nourrit notre foi. And everything that nourishes our faith. Tout ce qui encourage notre espérance. Everything that encourages our hope. Eh bien, va aussi faire grandir notre charité. It will also help to grow our charity and our freedom. C'est ça qui nous conduit à la liberté. And this will be what will grow our freedom. Qui est vraiment la liberté d'aimer. Especially in particular the freedom to love. Qui est vraiment l'essence de la liberté humaine. Which is essentially the freedom of human freedom. C'est ça que Dieu veut nous accorder. This is what God wants to grant us, you see. Par sa grâce. Voilà. Bon, j'ai touché beaucoup de choses différentes. I have touched upon many different things. Je sais pas si j'étais très clair. I don't know if it was very clear for everyone. Mais voilà ce que je voulais vous partager. But this is what I wanted to share with you. Alors, demandons cette grâce au Seigneur les uns pour les autres. So let us ask for this grace from God, one for the other. Qu'à travers notre vie chrétienne. That through our Christian life. La prière, les sacrements. Our prayer, the sacraments of the church. L'écoute de la parole de Dieu. To be able to listen to the word of God. Et puis l'encouragement qu'on peut se donner les uns aux autres. And also the encouragement that we could give one another. Oui, chaque fois que des chrétiens se rencontrent. Each time that Christians meet. Oui, ils fortifient leur foi. They strengthen their faith. Il y a un encouragement mutuel. There's a mutual encouragement one for the other. La foi grandit. And our faith grows. L'espérance grandit. And our hope grows. Et la charité aussi peut grandir. And faith also will grow. Et on devient de plus en plus libre. I'm so sorry. Love also will grow. Et on devient de plus en plus libre. And we become more and more free. Parce que c'est ça la définition de la liberté. Because this is the definition of freedom. Notre capacité d'aimer. Our capacity to love. Voilà, demandons cette grâce les uns pour les autres. Let us truly ask for this grace one for another. Le Saint-Esprit, from the Holy Spirit. Fasse grandir notre foi. May he grow in us our faith. Grandir notre confiance. And grow in us our trust. Notre espérance. Our hope. Et notre amour. And our love. Amen. Amen. So much, Father. In order to maximize our time informally conversing with Father and with him signing books, we have time for one question. And I would like and I would like that question to come from a student. So Anya will bring the microphone to a student, preferably one student. One student. Pressure is on. It has to be a golden question. Not student, it's going to be Anya, because Anya has the microphone. Oh, here's a question right here. Wonderful. Tell us your name and your year, and then. Hi, my name is Zach Pearson. I am a sophomore at the university. Je veux remercier mon père pour votre discours. Mais la question, c'est. La question, c'est. Qu'est-ce qui c'est le rôle des sacrements dans votre sujet de la foi? Donc, si la foi, c'est ce que nous permettons de comprendre, pas comprendre. si c'est la foi qui donne nous le climat, oui, pour la mort et la liberté, oui. Qu'est-ce que c'est le rôle des sacrements oui. dans la foi? So the question is, in your theme that you spoke of tonight, of faith, what is the role of the sacrament? If it's faith that gives us
hope for during difficult times, what is the role of sacraments in our life? Je crois que les sacrements ont un rôle très important. I think that sacraments have a very important role. Et je dirais que leur but principal. And I would say that their ultimate, their principal goal. C'est nourrir la foi. Is to nourish our faith. De nourrir l'espérance. To nourish our hope. Et l'amour aussi. And to nourish also our love. Oui, si on prend l'exemple de l'Eucharistie, par exemple. If we take, for example, the Eucharist. Oui, quand on reçoit l'Eucharistie avec amour. When we receive the Eucharist with love. Avec foi, bon. With hope. À la messe ou. Ou l'adoration. Maybe when we are at mass, or maybe when we are adoring. Eh bien, on se rend compte que peu à peu. We realize that little by little. À travers, comment dire, qu'à travers ce contact avec le Seigneur. We realize little by little that through this contact with the Lord. Il y a quelque chose qui se fortifie en nous. There is something within us that is strengthened. Mais moi, il y a un de mes neveux qui me posait la question. There is one of my nephews that asked me this question. Ça te fatigue pas de dire la messe tous les jours? Doesn't it really tire you, Father, to say the mass every day? Je dis mais non, ça me repose. I said no, not at all. This actually allows me to rest. On trouve des forces nouvelles. And we find new strengths each day. Peut-être qu'on le sent pas tous les jours. Maybe we don't feel it every single day. Quand même, je dirais. Nevertheless. Que, oui, quand on y croit, hein. Alors, c'est un peu paradoxal parce que la foi est au départ et à l'arrivée, vous voyez. Well, it could seem a little bit paradoxical because faith is at the same time the beginning and the arriving point and the end. Mais je dirais que si nous recevons les sacrements avec foi, but I think if we receive the sacraments with faith, eh bien, ils viennent augmenter cette foi. I think that these sacraments will come to increase in us this faith. Ils nous consolent. And they console us. Ils nous encouragent. And they encourage us. Et on trouve une paix. And we end up finding a peace. Dans la prière, par exemple. For example, in prayer. Ou après la confession. Or maybe after a confession. Quand quelqu'un fait une confession sincère. When someone makes a very sincere confession. Bon, il n'y a pas toujours une expérience très forte. Mais, there's not always necessarily a very strong experience. Mais quand même assez souvent, nous faisons cette expérience. But very often we experience this. Oui, d'un pardon. Oui. This experience of a forgiveness. Qui nous libère. Oui. Which actually liberates us. Qui nous apaise. It actually appeases us. Nous voyons combien Dieu est miséricordieux. And then through it we see how much God is merciful. Oui, j'arrive devant Dieu. Avec mon péché, I come before God with my sin, avec ma honte parfois, with all my shame sometimes. Voilà que je suis pardonné. And here is that in an instant God forgives me. Je suis libre. I am freed. Par rapport au poids de mes fautes. In regards of all my mistakes. Par rapport aux conséquences de mes fautes. In regards of all the consequences of my mistakes. Dieu me rend libre. God liberates me. Le cœur se dilate. My heart dilates and enlarges. On a plus de confiance. And we have more trust. Plus d'amour. More love. Donc moi je crois qu'ils ont un rôle extrêmement important. I think that the sacraments have a very important, extremely important role. Alors c'est pas le seul moyen. It's not the only means. Je crois que c'est ça toute la vie chrétienne, c'est quoi? But I think that this is what this whole Christian life is about. C'est d'utiliser les moyens que l'Église nous donne. Is to use all the means that the Church has for us. Oui, pour nourrir. To nourish us. La foi, l'espérance et la charité. And the Church has those to nourish in us faith, hope and charity. C'est aussi le rôle de la prédication. It's also the role of preaching. J'espère que ma prédication. I hope that my preaching helps. Vous a un petit peu encouragé. I hope that my preaching has a little bit encouraged. Enfin, c'est ce qu'elle devrait faire, vous voyez. This is what we need to do. Et puis ce qui est très important, c'est la parole de Dieu aussi. And what is very important is also the word of God. Mais l'Écriture, elle a vraiment un pouvoir particulier. The Holy Scripture has a very particular role. Bon, on le sent pas tous les jours. We don't feel it every day. Mais quand on lit vraiment la parole de Dieu fidèlement. But when we read faithfully the word of God. Quand on cherche Dieu dans l'Écriture. When we search for God in the Scriptures. De temps en temps, il se passe la chose suivante. There's very often this one thing that happens. Mais il y a un verset qui nous touche. Voyez. And there is usually a verse that touches us. Et on sent la présence de Dieu. And we feel through it the presence of God. Sa tendresse. His tenderness. Ça nous éclaire. And this illumines us. Ça nous conduit. Enlightens us and guides us. Oui. Elle a une grâce particulière justement pour ça. There is a special grace for this. Puis je crois que ce qui est très important aussi pour nourrir la foi, l'espérance et l'amour. And I think also what is very important to renew in us faith and hope and love. C'est de pas être chrétien tout seul. Is to not be a Christian by ourselves. Partager notre foi. To share our faith with others. Avec d'autres. Célébrer notre foi. To celebrate our faith. Chanter notre foi. To sing our faith. Chanter notre espérance. To sing our hope. Danser notre. To dance in our hope. Ça les fait grandir. This makes us grow. Friends, please join me one more time thanking Father Jacques. But also please thank the beautiful and soulful translation of Simone as well.